Et yo les potes, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors je vais vous apprendre à comment dessiner une manette de PS4 en pixel art. Alors il vous faut du noir, il vous faudra du noir, du rouge, du rose, du gris foncé, du gris ultra foncé. Du gris clair, du bleu et du vert. Ah ouais, tout ça pour une manette de PS4, c'est chaud. Alors, déjà, on va commencer par le noir pour faire les contours. Alors, on va commencer à faire un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. 1, 2, 3, 1, 2, 1, voilà. Ensuite, vous allez faire un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On va faire 29. Voilà. Après, vous allez redescendre comme avant. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors après, voilà, donc on est là. Vous allez faire 1, 2, 3. Voilà. C'est très compliqué, hein. Voilà. Après, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, attendez voir. Vous allez faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez refaire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà. Donc là, vous voyez déjà le contour de la manette. Donc c'est déjà ça. Après ça, vous allez faire les petits gadgets là. 1, 2, 3, 4. On va faire 5 les gadgets. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ensuite, vous allez faire non merde, je me suis trompée. 1, 2, voilà. Là, vous faites. Oh là là, ça va être chaud, hein, parce que. Attendez voir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, et là vous allez faire 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ensuite vous allez remonter, un hop, comme ça, et vous allez faire 1, 2, comme ça, voilà, on va faire les boutons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oh merde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Comme ça. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3. Hop. 1. 1. Là, j'ai vraiment du mal. Oh les gars, c'est trop chaud. Et voilà. Donc là, c'est bon. Et donc là, je me suis juste trompée. Non, 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 non. On ferme. Vous allez faire les boutons de côté aussi. Ça va être plus compliqué. Ça va être aussi un des trucs les plus compliqués. 1, 2, 3. Voilà, là on a fait les boutons. Ensuite, vous allez faire le petit bouton aussi du milieu. Hein. Hop, 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 comme ça. Voilà, donc là on a déjà les contours. Ensuite, vous allez colorier en noir tout ça. Et voilà, donc là on a fini de faire les contours. Hein. Voilà. Donc, vous allez prendre le gris, ben, le gris le plus foncé. Hein. Le bien plus foncé. Et vous allez faire ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, vous coloriez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, parce qu'une manette de PS4, à peu près, on va dire, ils ont tous les deux de même côté. Et voilà. Ensuite, vous allez toujours prendre le gris bien foncé et vous allez colorier le pad. Ça s'appelle le pad. C'est la grosse zone là. Donc moi je prends le marqueur pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, vous allez dessiner les joysticks. Voilà. Comme ça. Ensuite, vous allez dessiner cette zone. Hop, hop, hop. Voilà. Et ben c'est ouais, voilà. Donc en fait, c'est bon. Ensuite, vous allez prendre le rouge. Le rouge, hein. Hop, ici. Le vert. Le vert qui marche plus très bien, mais c'est pas très grave. Le rose. Donc le rose et là le bleu et voilà. Ça ressemble déjà à une manette de PS4. Ensuite vous allez prendre le gris clair, hein, le plus clair, dire pas le plus clair mais un gris clair. Hop, voilà. Voilà, hop. Et vous allez prendre le gris foncé, hein, pas ultra foncé, mais juste foncé. Et vous allez colorier toute cette zone, sauf le petit point au milieu, mais toute cette zone. Et voilà les gars, la manette de PS4 est terminée. Alors juste, je vais faire une petite parenthèse. Donc vous voyez des traits, ok. Donc vous allez dire c'est moche, ok. Mais genre peut-être une heure plus tard, vous verrez plus de traits, vous verrez le dessin genre hyper bien. Ceux qui ont des marqueurs, bien sûr, ceux qui ont utilisé le marqueur, voilà, les feutres alcool, hein.
Après, ceux qui ont utilisé, par exemple, des bics, eh ben, il y aura sûrement des traces, voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à sécher, donc le trait, il va partir, ok. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo, ok. Abonne-toi si tu aimes bien les pixel art ou ben, tu es fan, parce qu'il faut que j'essaie d'atteindre les 10 000 abonnés, les gars, parce qu'aux 10 000 abonnés, je fais un énorme concours. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Pour, à la prochaine, ouais.